Mesdames et messieurs, amis compatriotes TV La Caillou, bonsoir, bonjour tout le monde. Nous comptons avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche 2 janvier 2021. Et c'est pratiquement donc le premier mois nous pour l'année 2022. Et nous comptons pour nous porter vidéo ça pour vous, pour nous informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, précisément dans le village de Dieu. Et nous avons songé 14 août qui était passé, qui quantité de blousailles qui était faite. Eh bien, dans le pays d'Haïti, côté environ 10 policiers ont perdu la vie. Dans l'opération qui a mené dans le village là, eh bien, il y a un pile crié dans le jour ça. Eh bien, je dis avec un replacé dans le commandement de la police là, eh bien, nous prenons le fort des vérités cachées qui gagnent dans le dossier ça. Et raison qui fait, eh bien, et négoté al moui en dans village de Dieu jusqu'à maintenant même parents famille et cadavre ça yo pas tant river récupérer parce que la police pas de possibilité mais yo te gen possibilité pour al prendre chat et yo te quitté et cadavre police ça en dans village de Dieu jusqu'à ce que bien nèg iso yo te boulé yo enterré yo. Mesdames et messieurs, nous pral faut tande détail qui gen et toute vérité tout ou pral saisir ouais qui nèg en dans. Eh bien, la police là qui te cause opération ça lui-même, li te mal passé. Pas oublier ou sous TV La Caillou, sou beaucoup abonner à canal ça, pas hésiter faire, c'est grand moyen pour toujours être informé. Non, tout partout sur la terre, jeudi c'est donc vendredi 31 décembre 2021. C'est donc pratiquement dernière émission non pour année 2021 et son année selon un peu le monde qui était très très douloureuse. Pour les Haïtiens, puisque il était marqué bien sûr par un ensemble d'événements, événements regrettables, et donc son situation que un peu le monde pas plus jamais qu'à oublier, ensemble d'événements qui passaient pendant l'année, notamment assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a plusieurs journalistes qui assassinés, il y a de citoyens qui assassinés. Nous vivons tremblement de terre, nous changeons ça tremblement de terre 14 août la fin dans le grand sud pays. Hein, et crise politique, insécurité, crise carburant, et récemment, et l'autre catastrophe nous sommes vivre. C'est l'explosion camion-citerne qui fait 14 qui sont passés là. Et dans le cap haïtien, il y a plus de 90 monde qui perdent la vie. Donc, c'est des images négatives qui n'ont tête peuple haïtien hein, et la difficile pour yo oublier genre de images. Donc, je viens de clôturer l'année hein, par une émission très spéciale. Côté que nous gagnons de responsables de syndicats, dans le syndicat police nationale d'Haïti hein, qui ensemble avec nous et sous initiative. Des organisations tant que Fédération haïtienne de la diaspora, gen Haitian Diaspora Law Enforcement Military qui ensemble avec Moun Affaires Bon TV et Sinapoa Jam Société là et yo prend des initiatives pour qui j'ai été capable pas dire honorer mais aider dans façon yo capable des parents de policiers qui ont même été perdu la vie dans exercice fonction yo dans le village de Dieu, tout le monde songe ça. Et c'est dans ce sens ça, nous allons recevoir et nous allons parler avec vous pour nous connaître pour qui ça initiative ça. Et qui ont initiative ça et les mêmes les rendre possible. N'a pas dit bonsoir rapidement avec Lionel Lazare, qui c'est membre Sinapoa. Lionel Lazare, comment vous êtes? Bonsoir Manuel Yves, bonsoir Walter. Je salue tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs de Scoop FM. Et non pas c'est Lionel Lazare, c'est coordonnateur général Sinapoa, qui est le syndicat national des policiers haïtiens, une structure qui est là pour défendre l'intérêt policier, bien-être policier. Et puis tout travail avec le haut commandement de la police nationale d'Haïti pour nous voir qui ça nous capable de faire pour améliorer les conditions de travail policier. Jean que vous sortez là, 2021, c'est une année, surtout dans la police nationale d'Haïti. Nous connaissons qui s'est passé le 12 mars, sans compter l'autre policier qui mourit. Je pense que c'est une année qui a quitté
qui quitte un paquet de monde de l'eau dans les yeux, un paquet de sous-commissariat qui ferme, un paquet de commissariat qui crase. Donc, moi, je pense que nous, même au niveau Sénat, nous souhaitons que 2022, il y ait l'autre travail qui fait pour permettre que nous améliorer tout ça, pour nous améliorer. Eh bien, présence nous la matin en Radio Scoop FM, c'est parce que nous sommes contactés par Fédération haïtienne de la diaspora, qui c'est un groupe haïtien qui mettait tête ensemble au niveau diaspora pour permettre que yo ramasser des fonds pour aider surtout la police nationale d'Haïti. Mais vu à quelques problèmes qui étaient gagnés, gon ensemble de bagages qui pour capable fait et puis yo te vinn penser avec famille 5 policiers ça qui étaient morts dans village de Dieu. Par la suite yo te vinn contacter Sinaboa. Et yo te mande nous comment nous ka accompagner yo, comment nous capable aider yo joindre famille police ça. Nous dit bon, pas gain problème depuis contacter Sinaboa, c'est comme si que parce que nous au niveau Sinaboa, nous gain archive toute famille policier qui mouri immédiatement que ou mande nous yo rapide que nous a baillé. Et bien nous rentre en contact avec mon yo, nous parlons ensemble avec yo, nous ba rendez-vous. Yo la matin, c'est un geste que Fédération haïtienne de la diaspora fait avec police sa yo, avec madame police sa yo, maman police sa yo, pour faire année pour garder comment yo capable passer fête là, peut-être pas avec trop chagrin, mais permettre que yo capable font bagay pour ti moun yo, pour yo capable de aller à l'école, tout ça gagne petit problème pour aller à l'école, pour yo capable aller à l'école. Nous même au niveau Sinaboa, nous féliciter Fédération haïtienne de la diaspora qui pensait avec famille policier ça yo. Nous j'en nous sort dit là tout à l'heure, nous prêt pour nous travailler ensemble avec yo, parce que nous même nous c'est structure qui plus proche policier yo, qui toujours à l'écoute yo, et nous prêt pour nous travailler avec toute organisation qui au même prêt tout pour yo. Depuis ce travail qu'on a fait pour aider la police nationale d'Haïti, pour aider les familles policiers qui sont victimes, petites policiers qui ont des difficultés pour aller à l'école, pour faire l'autre bagarre, eh bien, au niveau Sinaboa, nous prêts pour nous travailler avec toute organisation. Ça. Eh bien, c'est dans le contexte ça. Et moi-même, j'ai délégué pour voir mon bail vice-coordonnateur Sinaboa pour continuer à faire des marches. Eh bien, c'est un travail. Toute équipe Sinaboa qui était mettée maintenant en patte là pour permettre que je ne joue pas là. GESA, Fédération haïtienne de la diaspora de Conseil avec Sinaboa, fait avec famille policière. Pense que c'est un bagage pour nous apprécier et nous féliciter. Mm-hmm. Est-ce que famille policière ça, et toutes ces régions métropolitaines ou gain là dedans qui sorti en province? Oui, gain qui là dedans qui sorti en province, ça fait que yo gen te supposé aller parce que gen qui sort au Cap, gen qui sort Tigouave. Nous t'es obligé di yo fok yo là parce que organisation te tiens que yo pas bay moun bagay pour moun, yo pas bay sou non moun, c'est yo même qui pour là. Effectivement, toutes 5 parents yo là, yo recevoir ça yo t'a recevoir. Peut-être yo pral gen pour fond on ti parler pour di nous qui ça geste là, li vle di pour yo. Et n'a tout dit autour au niveau Sinaboa, yo pas besoin pas contacter nous si au gon problème, si au gen des démarches que au besoin fait, parce que c'est des collègues nous qui t'est mouri. Moi même tout m'était capable la donne, commandant Valmont t'est capable la donne, toute équipe Sinaboa t'est capable la donne, c'est parce que nous pas là, nous n'importe monde, n'importe policier t'est capable victime. C'est juste pour dire pas décourager, nous comprendre bagaille du mais nous camper avec yo. Nous pas quoi que nous avons nous abandonné. Donc il était facile pour t'identifier et joindre victime parent victime ça. Oui, il était facile parce que nous même au niveau Sinaboa nous ça nous gagnons une banque de données qui là pour ça même. Un policier victime kounya là, nous avons une équipe qui prend toute information, qui joue une parent, qui joue un numéro de téléphone. Depuis les bas à la passé au niveau Sinaboa nous peut-être on grand monde que nous pas de contact, nous fin joindre et puis tout nous joindre tout l'autre monde nous parlons ensemble avec yo et bien qui permettent que la journée jeudi. Bon, on dit quand même geste qui fait là c'est peut-être un goutte d'eau dans l'océan, il y a un pigou bagaille qui est derrière toujours
Et ça veut dire Sinapoa pour continuer le travail de concert avec la Fédération haïtienne de la diaspora. Oui, effectivement, et yo même tout, yo voulait travailler ensemble avec nous. Yo voulait travailler ensemble avec nous par rapport avec ça que nous fait là pour yo. Yo féliciter nous, yo remercier nous tout parce que à la minute que yo te fin dire de nous ça, moi-même Molan Gesnel, Francisco Oxil, Valmont Barthelmy, Nadia Desrosiers, Manoach, toute équipe là te mettait l'embranle pour nous permettre que nous accoucher ça n'accoucher matin là. Alors et nous gagnons ensemble avec nous notre Philidor qui c'est une madame policier qui était victime dans opération et 14 mars là. Et Philidor, bonjour au en direct sur Scoop FM et Scoop TV. Et comment y est-ce? Bonjour, je suis en forme, grâce à Dieu. En forme, donc si, qui est-ce que vous sortez? Carrefour. Vous sortez Carrefour. Et dis-nous, qui est-ce que vous faites là? Est-ce que vous avez considéré le privé? Bon, ou capable parler de gestes à main en éviter by mon donc temps. Ça veut dire pour vous lorsque on est Mao Maurice ça fait quelques jours et nous il y a des organisations qui contactent vous et qui quand même pensent ensemble avec vous qui ça veut dire pour vous? Bon, ça fait un plaisir comme où il y a des monde qui pense pour toujours et comme si on pas abandonné pas fin abandonné net surtout qu'on est Jean pays aillé après 9 mois pour un monde relo pour faire geste avant. Ça nous garder le grand. Donc c'est une garde ce premier geste yo fait avec nous et après la mort Mario. Bon, on garde dit lui. Premier geste. Oui, en tant que organisation. Donc et bon côté l'état pas aidé nous non plus. Bon, l'état après événement. Non. Donc pas l'état support. Fait. C'est mon chèque. Mon yo seulement nous pour joindre. Après ça rien non. Ça te promet depuis après là mon président tout bagaille tombé de même qu'on a encore. Donc incident ça l'était passé ça t'est surprend nous en pile non? Oui. En pile. Et si tu me dis dans la rue. T'es dans la rue. Donc oui. C'est ou gain petit monde combien petit monde ou gain un seul. Donc Maro mouri quitter un seul petit monde. Donc rappelez-nous non. Policier. Stanley Eugène. Ok. Donc, on dit quand même, ça t'est fort mal en pile. Oui. Bon. Même les marines, ça t'a fait mal. Je vois que c'est marine. Donc, il y a un pile organisation qui a bataille, accompagné par exemple par un policier qui était victime. Nous connaissons Sinapoa, c'est où là dedans. Est-ce que pas une autre organisation qui vient parler avec nous et notamment yo fait pression sur l'état pour nous faire un chèque nous régulièrement qui ont apprécié ça. Un chèque yo toujours jeune yo. N'a pas fait pression. Organisation c'est l'hôpital d'Ash qui ba support à timon yo tout. D'Ash qui assure yo n'importe ça gagne au cas l'hôpital. Okay. Bien que moi difficile moi pour m'aller. Difficile par rapport à quand on habite. Donc, si vous avez un mot spécial pour Fédération haïtienne diaspora, Sinapoa, ainsi que haïtienne diaspora, law enforcement militaire, oui, et c'est qui ça lié? Bon, je dis merci que ça, gestion fait, c'est pas moi qui fais la retour, c'est bon Dieu qui protège. Parce que pas chaque jour je viens ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, et Philidor. Donc, nous avons continué avec échange. Et nous avons quand même gagné l'autre monde qui gagne pour venir faire témoignage, n'est-ce pas? Et ok. Donc, comme on a Valmont, et oui, nous avons quand même placé des petits mots. Donc, commandant Valmont, vous m'êtes venu pour placer le petit mot par rapport à le contexte. Hein. Et donc, c'est officier Lazare Valmont. Comment nous est officier? Nous en forme, vous-même. Nabkebe. Donc, au présent, aujourd'hui, dans le cadre d'un geste de solidarité avec famille et victimes, policiers
côté ça t'est passé dans l'opération mars dernier. Donc ça fait 9 mois depuis l'incident ça t'est arrivé. Donc nous-mêmes nous et pas oublié, hein, nous compter pas nous toujours gagner famille victime ça en tête nous. Frère dame nous. Et tout à fait. Nous toujours gagner frère dame nous yo et dans tête nous. OK. D'ailleurs depuis nous gagner un confrère qui gon problème soit qui mouri ou bien qui fait accident, c'est sûr que ou jeune nous gagner données ça yo qui stocké en côté. Donc nous t'ai contacté par des organisations côté que yo t'ai gagné des levées de fonds que yo t'ai fait et yo t'ai besoin et venir en aide avec madame famille policier qui était victime là et drame qui était passé village de Dieu. Donc nous même au niveau Sinapoa, nous t'ai servi de pont entre organisation ça yo et famille policier. Donc travail été fait avec succès et c'est mon yo t'est là matin pour te recevoir chèque que mon yo était censé ramasser pour bayo. Donc yo joini et ça fait nous plaisir. Donc nous satisfaits du travail. Nous souhaitons à ce que l'organisation continue travail sous lancer ça et continuer venir en aide avec famille policier qui victime. Et commandant et Lazare et année 2021 sont année catastrophique qui policier au pas panier hein dans exercice fonction yo et nous gros défi gros défi pays hein, c'est toujours question sécurité. Est-ce que ça pas arriver nous décourager les nous par exemple tout effort qui fait pour pacifier pays hein, pour mettre par exemple de nèg qui gen zam hors d'état de nuire mais c'est comme si effort ça yo poko capable concrétiser ça nous pas jamais arriver décourager. Je pense que à chaque fois que vous voulez décourager pensez que vous avez une mission pensez que vous êtes prêté seulement pensez que vous gagnez une population pour bailler sécurité une population pour travailler ensemble avec lui à maintes fois idée a toujours venu pour décourager par rapport à ça qui a passé mais connaît que si vous découragez si moi même découragez Valmont découragez 10 autres policiers 15 autres policiers découragés m'bon garantie en pile mon a victime nous connaît que année 2021 c'est un cauchemar pour la police nationale d'Haïti surtout opération Village de Dieu qui ton goût a mené en bouche le monde entier par rapport à ça qui passé à l'ogade ça qui a passé Matissan commissariat abandonné nèg yo rentré là-dedans l'ogade ouais ça qui a passé portail Saint-Joseph qui était sous commissariat bandi écrasé l'ogade ouais commissariat Matissan et la saline fermé écrasé sous commissariat antenne douya fermé divivier fermé qui donc ça li permettre que nous comprenne un paquet de bagaille c'est gros défi pour la police nationale d'Haïti question insécurité a mais plus gros défi a c'est Matissan Matissan côté que gagné près de 4 départements on parti dans l'ouest là que moun pa ka fréquenter ou pa ka passer là-dedans moi m'ta bien aimé al balance là la caille moi mais m'pa capable aller de même ta wè c'est balance de caille la caille moi avec petite moi mais m'pa capable aller m'pense que c'est des bagailles qui supposé résoudre nous souhaiter que 2022 a nous réfléchissons l'autre façon nous prend pays a pour nous diriger d'une autre façon nous même nous pas dans faire politique parce que ça lié il y a des bagailles que n'a dit il y a monde qui dit ah c'est policier nous mais pig oublier que c'est dans entrailles population me sorti moi gain famille tout qui dans la rue gain amis tout qui dans la moi même tout moi dans la rue les m'a sorti travail pas en sécurité tout par rapport à ça qui a passé n'importe monde capable victime ça fait que nous même au niveau Sinapoa mission nous c'est travailler toujours mander au commandement la police toujours mander gouvernement mettez moyens disponibles pour policiers permettre que assurance yo gon assurance santé comment qu'a imaginer on est son policier on gon badge nan même qui dit que moi son policier. Par exemple, moi victime Pétionville. Yo couri l'hôpital avec moi parce que m'pa gen assurance dans l'hôpital là, m'pa gen cob nan même, yo pa prend soin.
Je pense que c'est des bagages qui permettent que les policiers découragent. Qui permettent que madame policière décourage. Parce que via, faut que nous sauvions d'abord. L'en fin sauver via toute procédure administrative, pour au fait, il y a fait. Ça fait que nous, même au niveau Sénapoa, nous pas bataille casé brisé, mais l'en a défendu l'intérêt policier, on a défendu l'intérêt policier. Il y a un peu de monde qui plaint par rapport à traitement, par exemple, de policiers qui perdu la vie dans l'exercice fonction et puis traitement au commandement bayo ou bien et administration bayo et est-ce que nous mêmes dans Sinapoa nous gain yeux nous river sur ça, est-ce que nous gain contrôle par exemple nous exiger faut quand même yo bien traiter mon yo faut que pas faire madame police ou pas ces misère et est-ce que nous gain contrôle ça? Bon, normalement et Sinapoa nous toujours exiger à recommandement pour ouvrir les yeux sur ce genre de cas. Et à chaque fois que nous échangeons chita avec eux, nous toujours faire asseoir point ça. Ok, ok. Donc c'est-à-dire nous pas lâcher du lait, nous gagnons nous river. Tout ça. À fait, tout à fait. Ok. Bon, monsieur Mbral fini ensemble avec nous et c'était avec un pile plaisir. Moi et recevoir notre émission très spéciale ça. Et qui s'en a dit nation comme syndicaliste, qui s'en a dit policier, frère d'âme, pareil nous, et par rapport à nouvelle année 2022? Bon, moi, avant que je réponde à la question opposée, comme nous déjà fait, nous avons un petit problème là au niveau de cadre de débit policier, je ne sais pas comment est-ce que vous entendez ça. Côté que gagné chaque mois bah les policiers ticatlé mais moi ça gon paquet de policiers qui allait checker ticat là yo joine ça joine 2000 gouttes souli ça joine 125 gouttes souli sur l'information au barre t'a dit que quatre déjà utilisé Dubaï font un paquet de bagaille et en pile policier plein qui ça nous fait comme syndicat qui ça nous fait. Bon, nous déjà rencontré avec monde pour nous rencontrer, n'a dit policier, il a traité dossier ça et sous peu il a gagné pour joindre résultat. Eh bien, qui ça nous connaît que année 2021 qui ça le représenter pour nous. N'a dit tout policier qui t'a voulu décourager, pas décourager. Même les bails difficiles, pas décourager, grande bagaille pour qu'on qui côté t'es rentré à. Vous connaissez que ces métiers d'âme que vous avez fait, surtout dans vivre dans un pays côté insécurité à valer terrain, n'a pas demandé pour doubler vigilance, éviter sortir inutile, éviter aller dans plaisir côté que ou pas gagner contrôle zone. Ça permet que parce que gagner là c'est ça la vie. Loué remak zam sou nèg ap tout li pran zam avec police a non nèg la gen c'est zam nan loué sou al besoin fè zam nan sou li pa gen pou le fè c'est tirer donc n'a di recommande ban la police a tout nous souhaiter que 2022 a qui a vini là pour le travail plus pour améliorer condition travail police au commissariat ou qui nan des situations difficiles nous gen quelques tir faut ka fait bay et quelques motocyclettes, véhicules pour permettre que la police a fait travailler et soit surtout après que gain plus présence policière dans la rue et nous souhaiter que en 2022 à les renforcer gain plus matériel mais nous même au niveau Sinapoa n'a veillé sur ça n'a gardé comment bagay yo praler n'a dit tout policier moi même ka di nous bonne année parce que sinon là toujours ou à vivre ou pas malade ou en forme n'a dit tout policier kembe la balague et n'a tout dit tout à partir de mois de janvier 2022 qui a venu là si me pas trompé le 24 janvier 2022 Sinapoa supposé inaugurer bureau permettre que tout policier qui ont doléance nous gain des fichiers que nous préparer pour ça madame policier petite policier ou passer dans bureau Sinapoa ou vin bay doléanso et puis tout nous même suivi qui pou fait yo n'a fait yo et n'a salué toute équipe Sinapoa kap travay du pour permettre que gagne amélioration qui fait mais travail là li pas facile nous était quoi que
n'a privé parce que nous même au niveau Sénapoa, nous voulons qu'on l'autre la police, nous voulons que policiers au coin dans nous, c'est pour que n'a travaille. Donc c'est qui côté bureau avier? Alors bureau nous déjà là, mais quelques petits bails pour nous faire là dedans, c'est dans la et dans local direction générale la police qui finit préparer, n'a seulement mettre quelques touches et puis tout mois de janvier ça là, Sénapoa bon local policier capable passer, famille policier, madame policier capable passer. Commandant Valmont, un mot spécial. Donc sinon, n'a dit à tout confrère policier nous yo que courage et que yo aborder nouvelle année avec un autre état d'esprit positif et que bataille a continué. Merci. Bataille a continué. Donc merci beaucoup et Lionel Lazare, commandant Valmont, merci à tout le monde qui t'a regardé nous qui t'a tendu. Emmanuel m'a pas ajouté un petit bail pour nous seulement pour nous remercier madame Yannick Martin et puis tout n'a saluer officier Edison Jules qui fait partie de Fédération haïtienne de la diaspora qui était pensé avec nous pour le travail ensemble avec nous nanon Sénapoa nous couper nous bien bas pour nous dire merci parce que vous choisi pour travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup commandant et Lionel. Donc justement n'a pas juste saluer Edison Jules de Haitian Diaspora Law Enforcement Military avec madame Yannick lui-même qui a dirigé Fédération haïtienne de la diaspora. Donc c'est monsieur dame ça qui était tête ensemble avec Sénapoa et sans compter mon affaire bon TV pour être capable et aider des familles de policiers et qui étaient perdu la vie dans village de Dieu en mars qui saute passé là. Merci tout le monde qui t'a regardé nous pendant émission très spéciale ça. Nous très contents pour nous ensemble avec vous. Nous remercions Walter ministre qui fait un peu de sacrifice pour te permettre l'émission ça rendre possible et c'était dernière émission nous pour année 2021. Nous souhaitons quand même année 2022 à l'IA meilleur pour vous. Et nous souhaitons même que moment ou pas qu'à fêter mais nous aurons heureuse année 2022. Nous allons continuer la bataille puisque paysan pour nous construire faut que nous gommer faut qu'on s'envle pour être nous et il faut que nous mobiliser acteurs et différents acteurs qui sont dans différentes couches dans la société et surtout si là qui gagne et responsabilité pour capable prendre responsabilité et permettre pays ça avancer pour pied devant. Merci tout le monde et à très bientôt à l'année prochaine.